Et c'est le retour aux sources pour la jeune génération. En 1958, au moment de l'indépendance, il comptait en Guinée que 40 000 élèves de l'enseignement primaire. Il y en a aujourd'hui 330 000. Dans le secondaire, on est passé de 2 500 à 2 000 élèves. Sur le plan de l'enseignement, la démocratisation totale. Aujourd'hui, nous connaissons un effectif d'étudiants supérieurs à la plupart des pays de l'Afrique noire, même ceux qui ont un budget double, triple du nôtre. Vous pouvez vérifier. Dès l'indépendance, nous sommes d'abord occupés de réadapter les programmes d'enseignement parce que nous ne sommes pas d'accord sur certaines appréciations de notre histoire. Nous avons décolonisé les programmes d'enseignement. La révolution culturelle, elle est effective. Nous avons une thématique en langue nationale. Je crois que c'est unique en Afrique. L'éducation que nous avons reçue depuis l'indépendance a été une éducation de type révolutionnaire qui a coupé court avec l'éducation qui était en vigueur. Est-ce que vous enviez une jeune fille de 75, une jeune fille qui sort du cycle universitaire? Je l'envie intensément. Pourquoi? Je pense que peut-être ai-je eu tort de venir un peu trop tôt. C'est vrai. C'est ingénieur de bâtiment. Nous ne pouvions pas nous séparer de la domination étrangère et accepter la domination féodale. Le pays est démocratisé. Sur le plan social, la femme a été réhabilitée. Dans le centre d'accueil, j'ai prévu un grand hôtel de 134 lits, 10 villas isolées. Un restaurant. Est-ce que ceci va être réalisé bientôt? Oui. Donc c'est un projet que vous aurez entièrement mené vous, oui. Et que vous allez donc réaliser sur le terrain? Oui. Et voilà un front de lutte que nous avons mené avec vigueur, au point que les gens aient présenté le Parti démocratique de Guinée comme le parti des femmes. Et j'en étais fier. Quel âge avez-vous? J'ai 25 ans. En quelle année, pour la première fois, êtes-vous allé à l'école? En 57-58. Donc vous êtes de la première génération de la République de Guinée. Oui, l'année de l'indépendance. Nous savons qu'éduquer une femme, c'est éduquer une société. Éduquer un homme, c'est éduquer l'individu. C'est pour cela que quelques rares éléments, nous qui avons eu la chance eh bien, d'avoir une certaine élévation, peut-être intellectuelle, c'est un peu trop prétentieux, mais en tout cas une certaine élévation spirituelle, nous nous sommes préoccupés. Les femmes pour leur montrer le chemin
le chemin, eh bien, de l'indépendance nationale.